Salut les cadavres, bienvenue dans le jour 2. Et comme vous pouvez le voir, le jour 2 du beau projet, il avance bien. L'imprimante a tourné, hein, on peut pas dire le contraire. Il me manque, à l'heure où j'ai tourné ça, il me manquait 3 ou 4 pièces, il me semble. Il me manque le backpack, l'espèce de moteur derrière. Il me manque les jambes. Les jambes sont pas là, il y a les pieds, mais il n'y a pas les jambes. Là, vous avez le bolter et la main qui le tient. Alors, la qualité est là. C'est visuellement, je suis sidéré par ce que j'obtiens en termes de qualité. C'est magnifique. Si seulement j'avais pu avoir cette qualité-là dès le début. Mais il n'y a aucun layering, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune bavure. C'est nickel, tous les détails sont là. Et je pense que c'est pas que une histoire de réglage d'imprimante. Bien sûr, ça joue beaucoup, mais je pense aussi qu'il y a une partie de conception. Je me suis amélioré dans la conception des parties en 3D. J'ai beaucoup progressé ces derniers temps, j'ai appris plein de trucs dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et qui m'aide à faire des modèles bien plus sympathiques. Je vais récupérer un bout de carton noir pour que vous ayez un petit effet de contraste. Ça va être plus sympa pour vous de voir ces pièces qui restent quand même blanches. Hein. Voilà, des épaulettes avec des sympathiques petites croix dessus. Ouais, je trouvais que nu, elle faisait un peu tristoune, donc j'ai imprimé des petites croix. Le torse du pilote. Alors, je pense que la tête est bien ressortie. Faudra voir, hein, la peinture m'aidera aussi à checker que tout est bien là. Ça, c'est les pieds. Ça, c'est un poignet. Alors, vous voyez qu'il y a deux espèces de languettes en plastique et en fait... Elles sont faites pour aller là. Vous voyez qu'en fait, je pourrais presque pas les coller. Alors, bien sûr, je vais les coller. Hein. Mais j'adore quand tout est fait au poil de cul et que ça tient. C'est absolument magique. Ça, c'est le torse. Torse partie avant, torse partie arrière. Voilà, les détails du siège sont superbes. Les phares sont superbes. Tout est absolument superbe. Mais je crois que c'est le bolter qui m'a le plus sidéré parce que on voit les doigts, on voit les articulations des doigts qui tiennent le bolter. Voilà le socle. Je vous avais dit que je ne l'imprimerais pas. Ben non, j'ai utilisé du... C'est de la mousse d'isolation que j'ai récupérée. J'ai fait un cercle de 9 cm. Le socle, c'est 9 cm. Et je l'ai un petit peu décoré avec des trucs qui traînaient, des bouts de liège. Vous voyez qu'il y a un petit crâne dont je reparlerai dans une prochaine vidéo. Et je suis en train de préparer ceci. Donc une petite languette en plastique traversée par une vis. Et le but, c'est que ça traverse le socle et que ça vienne se visser sous les pieds. Je vais creuser le socle en dessous pour que la languette elle rentre vraiment. Et voilà, je vais essayer comme ça d'assurer une stabilité à ce modèle qui monte quand même très très haut et qui est perché sur deux petites échasses. Hein. Et ce socle n'est pas en plus super épais. Alors je l'ai voulu un petit peu inégal pour faire comme s'il y avait une pente. Voilà, j'ai une idée de rendu, en fait. On va commencer par essayer d'apporter un petit peu de solidité à tout ça. Je vais percer. Je vais percer les pièces qui sont censées s'emboîter. Je compte pas juste les coller comme ça. Je suis sûr qu'il va falloir un petit peu de soutien et un petit peu de renfort pour manipuler tout ça et que ça soit un petit peu solide. Alors j'utilise la partie qui est en métal que je rentre dedans, c'est, je sais pas si vous voyez, ces espèces de gros trombones géants pour accrocher plein de feuilles en même temps, mais vraiment des très gros trombones. Ils ont la particularité de pouvoir être tordus à la main, mais il faut quand même forcer pas mal en fait. Ça me permet de les couper à la pince coupante, la longueur que je veux, et du coup j'en ai acheté plein, donc j'en ai tout un bol à côté de moi et je peux piocher dedans. La seule difficulté quand vous percez les trous comme ça, c'est de faire en sorte que les trous soient l'un percé en face de l'autre. Pour pas qu'il y ait de décalage. Après avoir essayé de faire un petit peu à l'œil,
Vous voyez, là, c'est... j'essaye vaguement de faire à l'œil. J'ai trouvé une bonne solution, en fait. Franchement, si j'y avais pensé plus tôt, je l'aurais fait là devant vous. Que... ce que je fais, c'est que je prends de la peinture noire, je prends un pinceau noir. Et en fait, sur une des deux pièces, je fais un point de peinture noire. Et je presse les deux pièces l'une contre l'autre. Et du coup, la peinture noire va s'imprimer de l'autre côté, exactement là où je dois percer le trou. C'est ce que je tente de faire là avec le stylo. Alors, ça va marcher un peu avec le stylo, mais franchement, la peinture noire, ça fait vraiment un point noir en face, exactement à l'endroit où il faut percer. C'est une très très bonne solution pour arriver à percer de bons vis-à-vis. J'aimerais beaucoup avoir une machine qui permet de percer les trucs en étant sûr d'être droit et de pas se percer les doigts. Malheureusement, faut que je le fasse un petit peu à l'arrache avec une perceuse. Ce qui est pas... voilà, c'est pas très rassurant. J'ai toujours peur de me transpercer le pouce. Mais vu le prix des machines-outils, voilà, je vais m'abstenir. Une fois que c'est fait, je remplis le trou de super glue. Alors malheureusement pour moi... enfin malheureusement... le tube qui a là est quasiment vide. Avant d'ouvrir des tubes neufs, j'aime bien vider complètement les vieux tubes, donc je les écrase très fort pour qu'il n'y ait plus une goutte de superglue dedans. Et voilà notre premier support installé. Je vais devoir faire ça à tous les poignets, à toutes les épaules, à toutes les jambes, à tous les pieds. Voilà la quasi-totalité de ce que je dois percer qui est percé. Je laisse sécher et pendant que ça sèche, bah, je vais commencer par l'assemblage du corps. Partie frontale et partie arrière du corps principal. Heureusement, le design est assez bien fait dans la mesure où j'ai qu'à les poser et ils sont sur la même hauteur. Donc du coup, je suis sûr d'avoir exactement la position qu'il faut. Je peux pas me planter. J'ai fait en sorte, lors des découpages, que les choses se découpent à peu près toutes avec des endroits repères, en fait. Pour, pendant le collage, avoir des petites astuces mentales pour les coller au bon endroit. Voilà le bassin que j'ai percé de part en part. Et je vais mettre carrément une barre traversante. Ça m'assurera encore plus de solidité. Maintenant que le corps est collé, je vais pouvoir rajouter les épaules. Alors le repère que j'ai pour m'assurer que je les colle bien dans le bon sens, c'est que l'arrière des épaules doit correspondre exactement à l'arrière du reste du corps. On doit vraiment faire un truc complètement plat sur l'arrière. Et le fait d'aligner les parties arrière, ben, ça me force à avoir l'inclinaison qu'il faut pour l'épaule droite, l'épaule gauche. La pièce est beaucoup trop grosse pour que je mette une pince. Mes pinces sont trop petites, donc je suis obligé de serrer à la main pendant plusieurs secondes très très fort. Voilà la deuxième épaule qui prend place. Comment ça ressemblait un petit peu au modèle, hein, l'air de rien. Pendant que nous parlons, le moteur derrière est terminé. Le backpack est terminé d'imprimer. Alors, il y a eu une petite erreur d'impression au début, malheureusement. Ça se voit pas des masses et je le camouflerai très bien, mais il y a un côté qui s'est un peu surélevé, donc l'arrière n'est pas complètement plat. Je compenserai ça, je sais déjà comment, mais vous, quand vous imprimerez, bien sûr, ça sera tellement bien fait que ça ira nickel. Et le repère que j'ai, c'est qu'il y a deux tuyaux qui sortent du corps et qui se terminent dans le moteur. Du coup, j'ai qu'à aligner les tuyaux et c'est exactement l'endroit où le backpack doit être.